Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avec même plaisir, nous avons entré la CAO pour nous présenter un programme dans l'encole haïtien. Moi, c'est Jacqueline Belizère, avec un grand point cap dominé actualité. Actualité électorale là aux États-Unis, Parti démocrate là avec Kamala Harris et Tim Walz, et Parti républicain avec Donald Trump et J.D. Vance mènent campagne sur plusieurs thèmes parmi eux, immigration. Actualité dans la région Moyen-Orient, l'armée Israël sauve un lot otage en bas main Hamas dans Gaza pendant la négociation pour un cessez-le-feu à continuer dans la ville Le Caire dans le pays Égypte. Et puis en Haïti, le gouvernement signé avec Taïwan un protocole d'accord pour renforcer la production du riz dans trois départements pays. C'est pour ça, yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Actuellement, d'abord, dans la région Moyen-Orient, côté israélien, yo, frappé très fort, yo, mené opération mortelle dans Gaza et puis arrivé, libéré, yo, otage qui était nommé Hamas. Nous allons gagner plus de détails avec Valérie Saint-Louis. Au moins 6 Palestiniens étaient morts et plusieurs cas étaient détruits en bas une grosse frappe israélienne dans zone Khan Yunis dans Gaza jeudi mardi 27 d'août ça d'après ministère santé palestinien. Nous t'ai carré en bilance qui rivait sous scène côté frappe était tombé à et puis gros dégâts pendant que yo t'ap râler quoi en bas des combio et puis courir pour te sous branca enveloppé dans drap. Mantel pas gagne aucun suspens tiré. Benjamin Netanyahu continue génocide là, il gagne capacité pour touyer tout timoun yo. Cible Netanyahu yo c'est timoun ak femme. Tout kayo te gagne timoun ak femme là dedans yo. Objectif Netanyahu c'est Timoun ak Famyo, d'après ça, un témoin qui était sous place, Ala Al-Najjar te dit dans une interview avec journal Reuters là. Il te dit que au moins 100 moun te blessé comme résultat frappe bombardement ça. Un résident local qui relé Hamdan te dit nous pas ka tirer moyo en dedans, non toujours gain pile moun nan kay sa qui était plein. Pendant ce temps, l'armée israélienne a annoncé qu'elle t'a sauvé un otage dans Gaza. Kaïl Farhan Al-Kadi, un bédouin arabe qui sorti dans site Israël là pendant une opération très complexe dans sud territoire palestinien. Porte-parole l'armée contre amiral Daniel Hagari, t'a déclaré dans une brève conférence pour la presse que yo t'a joindre monsieur Al-Kadi otage là dans un tunnel en bataille. Today Israeli special forces successfully rescued. Jodi a force spéciale israélienne ont arrivé libérer une otage New York qui était en captivité dans main Hamas dans Gaza pendant une mission secours complexe. Kaïd Fafan Al-Kadi qui sorti dans communauté Bédouin dans Rahat qui était kidnappé par terroristes Hamas pendant massacre 7 octobre. He is alive. Li vivant, li tourné la caille en Israël. Bon côté parle le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu félicité militaire israélien yo après que ont été sauvé otage israélien Kaïl Farhan Al-Kadi qui gagne 52 ans. Baruch shuvcha habayta Farhan Al-Kadi. Ani mevarech et tsal va shabak. Bienveni la kayou Farhan Al-Kadi. Moi félicité l'armée israélienne ak Shin Bet la pour une autre opération secours qui gagne succès une autre fois encore. N'ap travail sans prendre souffle pour faire tout otage nou tourner. N'a fait ça principalement dans deux façons, à travers négociations et puis tout de approche demander présence militaire nous souterrain avec pression militaire continuelle sur Hamas. N'a continué faire ça jusqu'à ce que nous menions tout le monde la caillou. N'a rappelé que plus passé 40 400 Palestiniens étaient morts dans la guerre, d'après le ministère Santé Gaza. Et puis, Pifon, 2,3 millions résidents zone nan été déplacés plusieurs fois et puis ont fait face à gros raté dans manger avec médicaments, d'après l'agence humanitaire. Conflit ça a été déclenché, n'a rappelé tout, après que militants Hamas ont attaqué le site Israël là, dans la date 7 octobre là. Ils ont tué 1200 personnes et puis prend plus passé 250 otages, d'après Israéliens. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio. Pendant ce temps, négociation yo a continué dans Qatar et faut dire tout que gagnent yo responsable américain qui fait connaître tout et gagnent yo une série de négociations qui étaient déroulées dans la ville Le Caire dans le pays Égypte pendant que tension yo continuait à augmenter. Porte-parole président Joe Biden pour région Moyen-Orient en parlant de Brett McGurk, un bel trouvé dans Doha dans le pays Qatar pour négociation yo dans conflit ça qu'il a depuis 10 mois d'après un responsable américain qui parlait que nous citer non. Et puis gros commandant Ukraine dit l'armée a avancé dans direction Kursk alors que la Russie continue à attaquer sous Ukraine jeudi mardi 27 août 2024 là nous gain plus de détails avec Gentil Augustin Junior. Selski jeudi mardi 27 août 2024 là. Pi gros commandant Ukraine fait konnen fòs Kiev yo toujours avancé dans région Kursk dans la Russie. Mais
li averti tout que Moscou a placé force liyo sou lin les Pokrovsk côté troupes rissio avancé. Jodi a nous continuer avancer et fait un pile dégâts dans l'armée ris la. Kite se nan troupe, kite se nan équipement. Comme ça, nous te prend contrôle plus passé 1294 km2. Qui gen là-dedans 100 colonies. En plus de ça, grâce à action troupe nous yo qui gen succès, nous vraiment augmenter quantité prisonniers pour nous boucanter. Nous kembe 594 soldats ris qui prisonniers dans zone ça. Attaque Ukraine commence depuis 3 semaines dans région Kursk la Russie. Côté yo prend 100 colonies d'après sa chef l'armée a dit. Il y ajouté que yon objectif opération Kursk la, c'est dévier force la Russie pour faire yo aller dans yon l'autre région. Pendant chef l'armée ukrainien a fait gros déclaration sa yo pour pipiti des moun mouri pendant de l'autre été en bas des combes nan yon attaque missile l'armée russe la lancé qui krasé yon hôtel nan ville Kreviri qui nan mitan Ukraine. Seri Lizak, gouverneur région Dnepropetrovsk côté Kreviria dit sous Telegram building civil là crasé plate. Pas de gen aucun commentaire qui sorti tout suite dans la Russie. Kremlin seulement dit que force russe pas visé bâtiment civil dans attaque yo sous Ukraine. Bon côté pas président ukrainien Volodymyr Zelensky voyé sympathie by responsable agence Nouvelle Waters qui perdit yon journaliste pendant gen plusieurs l'autre qui blessé nan yon attaque russe nan Kramatorsk. Yon l'autre côté, chef agence nucléaire Nations Unies Rafael Grossi rive jodi mardi 27 août 2024 la nan centrale nucléaire Kursk que d'après Moscou force ukrainienne te attaqué plusieurs fois depuis une distance qui pas dépassé 40 km. Après yo te fin frappé yon parti nan territoire ris la. Grossi dit: premièrement, mwen ta renmen remercier président ris la pour invitation an nan centrale nucléaire Kursk la. Nan condition ijans sa yo, nous tout konnen pour qui sa délégation ak moi-même nous ici là jodi a. Sécurité centrale nucléaire yo te en bas menace plusieurs fois pendant la guerre Ukraine là qui te commencé nan mois février 2022. Les la Russie te voyé plusieurs milliers soldats traverser frontière ya pour entrer dans Ukraine. Président Vladimir Poutine accusé Ukraine jeudi qu'elle te essayé attaquer centrale Kursk là. Ukraine poko répond accusation ça. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil Augustin Junior, n'a pas entré ici aux États-Unis pour nous ouais actualité électorale à côté que eh ben candidat de parti yo, parti démocrate et parti républicain, yo même y a mené campagne sous plusieurs thèmes et parmi thèmes ça yo gagné immigration. Immigration qui est un point central dans toute campagne électorale. Là. Et Jean-Robert Philippe Capsu pour nos questions ça, Capsu, non seulement campagne là, mais question ça qui a un rapport avec immigration. Eh bien, il fait nous connaître que deux partis qui gagnent opinion différente sous question. Eh bien, Jean-Robert mène nous dans Arizona qui est une zone frontalière. Effectivement, j'en dis à Jacqueline, c'est vraiment une question que l'électeur a considéré les décisions pour connait qui est dans deux candidats ça Donald Trump ou bien Kamala Harris y a voyé dans la Maison Blanche là pour occuper la maison pendant 4 ans qu'a venir là yo. Donc c'est comme ça que le candidat Kamala Harris et eh bien lui-même l'idée à composition de sur question immigration hein. Tout comme tout Donald Trump lui-même il y a une question parle sous immigration mais l'électeur a observé et ça dépend qui façon que le candidat y approche question immigration hein, et il est capable de convaincre l'électeur pour choisir une ou bien l'autre là. La.
Ça va bien longtemps, journaliste VOA Caroline Prisouti a visité ville Pierce dans le désert Arizona, côté de ramasser témoignage, Patty Burris avec Béano, qui a 38 ans, sous impact, immigrant illégal qui a gagné sous communauté. Patty Burris fait qu'on est village de Diatoune, une ville fantôme, tant qu'au côté zombie habité. Et pourtant, c'était une ville qui est plus riche dans l'État Arizona, dans une époque. Burris déclarait qu'il est fatigué avec présence immigrants sans documents, qui utilisait Clotilde Akaili pour entrer dans l'État Arizona après fin de traverser frontière Mexique. Madame Burris, qui a voté pour ancien président Donald Trump, dit He's gonna deport them. Yes. Trump pourra le déporter. Oui, moi supporte la décision. Absolument, mettez-le dehors et il est capable de faire. Et il connaît qui j'en pour le faire. Président Trump a passé l'ordre pour bâtir un mirage 740 km longue sous les frontières sud-ouest états-unis dans la partie Arizona. Président Joe Biden a campé toute nouvelle construction après qu'il ait fini prêté serment. Ancien président Donald Trump a déclaré que nous sommes capables de finir la construction de mirage là dans 3 semaines. Jeudi passé, ancien président est retourné visiter Mirage Frontier, Arizona. Journal de Washington Post rapporté, section Trump de visite a été construit avant même l'été président. Candidat parti républicain Donald Trump déclaré There's never been a border in the whole world. Pas jamais bien une frontière dans le monde. Côté passage la facile comme ça. C'est plusieurs millions de criminels qui utilisent pour entrer aux États-Unis. Électeur démocrate qui t'a chanté USA, USA, USA pendant la convention nationale parti a te déclaré parti démocrate la plus tolérant. Sandra Cano, un électeur qui a voté Harris, déclaré Immigrants, we belong. Nous c'est immigrants, nous prenons soin voisins, nous prenons soin une l'autre. C'est toute question. Si vice-président Kamala Harris est élu comme président, il promet un moyen pour immigrants ou vins citoyens américains et pour y retourner bas Congrès a projet loi sur immigration que le parlementaire était bloqué. Candidat parti démocrate a désigné pour poste président fait qu'on est The Border Patrol endorsed it. Garde frontière a endossé projet loi. Mais Donald Trump croit une entente sur frontière a pas affecté. Comme ça, il demandait à l'élu dans Congrès pour vous jeter bien loin. On retourne dans la ville Pierce, dans Arizona, pour continuer à parler avec Patty Burris qui dit nous pas quoi dans aucun parole Kamala Harris fait côté Kamala Tayé pendant 4 années qui passaient yo pas gain personne qui passait dans ville fantôme non encore Burris ajouté li ta remé retourner dans époque côté touristes qu'on visiter zone là au lieu des immigrants. Caroline Prisouti t'ai préparé reportage ça pour sa nouvelle voix d'Amérique là et moi-même Jean-Bert Philippe t'ai traduit et adapté pour VOA créole dans Washington DC. Merci Jean-Robert Philippe et nous prenons dans Venezuela, dans la ville Caracas, capitale là, c'était gros suspense pour qu'on ait, est-ce que candidat opposition, en parlant de Edmundo González Urrutia, t'apprends à paraître devant paquet tant que ça et t'es fait, eh ben, monsieur pas paraître point de tête dans paquet aujourd'hui, d'après procureur général là, Tarek William Saab, t'es capable, nous t'es capable, et plusieurs journalistes, même qui étaient là, pour regarder est-ce que vraiment, et monsieur Edmundo González Urrutia, t'apprends et paraître. Mais ça fait 2e fois que monsieur González Urrutia boudé invitation ministère public là. González Urrutia qui est toujours dit que c'est lui qui remporte élection présidentielle yo, t'es gain pour te paraître dans cadre d'une enquête notamment pour ça relé usurpation de fonction en français, ça veut dire un monde qui volait yon titre qui pas pour lui. Pendant ce temps, gain Juan Carlos Del Pino qui est considéré comme seul membre dans opposition qui était parmi 5 recteurs dans Conseil national électoral là qui bail président Nicolas Maduro et ben et la victoire donc nous capable Urrutia là et ben monsieur lui-même il va paraître prendre tête li et en parlant de Juan Carlos Del Pino monsieur dénoncé lundi un mois après que présidentiel 28 juillet yo et ben t'es gain pile irrégularité la donne et pendant élection réélection contestée Nicolas Maduro et puis toujours dans actualité à au Venezuela et ben gagné Nicolas Maduro qui fait sa tarle remaniement ministériel qu'on s'a nommé vice-président là Delcy Rodriguez et comme ministre
pétrole, madame Rodriguez qui était ministre finance, qui était fonctionnant pour Pedro Telecha, qui lui-même qui était PDG Petroleos, en parlant de PDVSA, et Konya Livin Toune, ministre industrie dans le pays Venezuela. Donc, toujours gagné en pile parole en pile, et concernant réélection, président Nicolas Maduro, pendant que Maduro dit qu'il remportait l'élection à 52% voyo, même genre que conseil Latébal la victoire, alors que l'opposition dit que c'est lui-même qui remportait l'élection, il y a un dossier qui était tout l'ouvrir. Vous souvenez vous à créole ou à suivre un programme dans la créole haïtienne. Merci d'être toujours branché sur VOA Créole alors que nous présentons un programme dans langue créole haïtienne. Actualité dans le pays d'Haïti, et bien, il y a un dossier politique là d'abord. Jean-Tel Joseph qui présente tête comme chef opposition fait qu'on est que l'app travaille pour forcer membres conseil présidentiel transition pour qu'à démissionner parce que d'après lui, il n'y a pas amélioré situation dans le pays d'Haïti. Nous sommes sous place dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. Dans le cadre d'opération Libérer Haïti, ensemble organisation sociopolitique et parti politique qui regroupe Tétio en bas chapeau Réveil National pour Souveraineté d'Haïti, l'ANCEA, Jean-Tel Joseph qui fait office chef opposition haïtienne a annoncé et a organisé un gros congrès national dans la date 13 septembre 2024 pour continuer réclamer démission membre conseil présidentiel transition, Lydie, qui pas qu'à combler principale attente population hein, qui s'est rétabli l'ordre, la paix et la sécurité dans le pays d'Haïti. Et dans le congrès de l'opposition plurielle, là, nous avons fait appel à tous les secteurs vitaux de la vie nationale. Le secteur politique, le secteur syndical, le secteur religieux, la diaspora, tout haïtien. Et dès demain, nous allons commencer le travail pour mettre le comité pour piloter le congrès. Ça. Et une fois le congrès a fait, n'a pas entendu nous sur un plan d'action commun, n'a pas entendu nous sur une stratégie de combat, sur un calendrier d'activité. Et jour du 20 septembre, qui est le jour de la naissance de l'empereur Jean-Jacques de Saline, jour ça, n'a organisé la marche des braves. La marche des braves, là, tu pouvais faire avant. Mais nous estimons, il faut nous chercher plus, nous ne pouvons pas faire même avec CTO, qui choisit 10 ans de la police haïtienne, mission multinationale soutien à sécurité en Haïti, commence à recevoir plus équipement dans le cadre de lutte contre l'insécurité. Mais Jean-Tel Joseph dit, ce n'est pas solution à ça. Ce n'est pas examen de la sécurité. Ça va faire. Il n'y a pas de sécurité à examen. Il n'y a pas de sécurité à char de guerre. Il n'y a pas de sécurité avec pression à gros projet. Sécurité, c'est technique. Il y a un gros expert en matière de sécurité qui dit combattre la violence par la violence, c'est quand il y a une spirale de violence. Et son phrase qui est très profonde. Pendant ce temps, Conseil présidentiel transition installé commencement week-end passé à comité pilotage pour organiser conférence nationale Cap-Gain pour présenter un rapport qui lié à révision constitution dans 3 mois dans intention organisation élection générale. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Nous capable c'est plusieurs leaders politiques qui ont même qui a bay point de vue sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti et nous avons eu occasion de rencontrer en marge de convention nationale parti démocrate à Chicago état Illinois leader unir là Clarence Renoir qui lui même a bay point de vue sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Clarence Renoir, son poids lourd, 9 présidents. Enfin 9 monde qui a prétention président qui va président vraiment en réalité c'est les conseillers présidentiels mais qui comporte, chaque monde dit, moi-même, son président. Mais son expérience qui est capable intéressante si nous faisons dans le bon sens. Comment? C'est la première fois qu'on gagne 7 monde qui sont dans des partis politiques ou des organisations de la société civile différents qui acceptent mes têtes ensemble pour travailler même côté. Donc, l'idée est douée pour nous, une expérience unique pour nous dire, oui, faire ici un travail ensemble, c'est possible.
parce que moun sa a sorti dans un débat différent, mais yon mette tu ensemble yon travail. La deuxième chose, c'est que ou près des partis politiques qui étaient opposés, adversaires, virulents l'un avec l'autre, mais qui d'accord. Puis j'ai la sous même table là, dans le même conseil là, puis ils travaillent ensemble. Malheureusement, il y a vieux démons de la politique haïtienne, il y a vieilles habitudes qui sont toujours là, qui ne sont jamais sorties, corruption, reprendre, glisser pour banane dans papier, l'autre, etc. Fait que l'expérience n'est pas capable de prendre. Vous comprenez? Il y a des gens qui disent qu'elle va échouer déjà. Mais moi-même, je pense que, et pour avoir suivi la politique américaine en pile fois, moi, je vois côté parfois démocrate, je travaille avec républicain, que ce soit dans la chambre, que ce soit dans le gouvernement, yo, bah, et Obama te prend ministre de défense, c'est ton républicain que tu es. Et il y a d'autres expériences comme ça qui fait, ministre, secrétaire d'État, à un certain moment, il était républicain, sous parti démocrate, tout. Donc, il y a un côté que, même si nous sommes capables de nous opposer, nous allons travailler ensemble pour le bien de notre pays. Donc, expérience dans l'eau, parce que son poids lourd de 7 présidents, nous ne sommes pas habitués avec lui, et malheureusement, nous sommes tombés dans la corruption très vite, certains là d'ailleurs, qui fait que l'expérience dans l'eau a traumatisé la population et a créé déception très vite. Mais, je pense que nous avons pour devoir de travailler ensemble, pour le ministre là, avec le conseil là quand même, que l'a réduit ou que les radios réformées, on ne sait jamais ça va le passer. Mais que délivrer? Délivrer quoi? Permettre que les jeunes sécurité dans le pays a pour élection faite pour nous retourner dans l'ordre démocratique. Parce que si ils nous choisissent depuis 1986, nous ne sommes pas d'accord avec un seul monde, une seule famille, un seul parti régné dans le pays pour prendre pouvoir pour lui-même. Nous voulons partager nos alternances. Mais il faut nous arriver, mettre l'élection faite. Pour que l'élection servie à mettre des dirigeants que le peuple a choisi pour diriger le pays. C'était professeur Clarence Renoir, qui c'est leader UNIR, qui était parlé avec nous Chicago, dans l'État Illinois, en marge, Convention nationale Parti démocrate. Là, c'est qu'on a dit hier, son interview, que n'a pas eu l'occasion pour nous capables de suivre dans l'intégralité sur toute plateforme VOA Creole. On parle de coopération internationale, Haïti avec Taïwan, signé un protocole d'accord pour renforcer production du riz dans trois départements PIA. Nous sommes sous place dans Port-au-Prince, Yves Manuel. Ministre agriculteur agronome Vernet Joseph n'a été collé avec ambassadeur Chine Taïwan dans le pays d'Haïti, Wen Jiankou, passé par Rafio en bas un protocole d'accord sur l'agriculture dans le pays. Protocole d'accord ça visait améliorer la production du riz dans trois départements, à savoir Sud, Nord-Est et la Tibonite. Dans l'intervention circonstance, ambassadeur Chine Taïwan dans le pays d'Haïti, Wen Jiankou, fait qu'on est lissé avec une grande fierté à Kosa qui, selon les même témoigner engagement pays li pour continuer corriger l'état haïtien. Taïwan poursuit son appui à la production nationale du riz, surtout pendant ces périodes difficiles quand l'insécurité est tellement grave que l'impact même la production agricole. Malgré que la production locale fait face à de nombreux défis nationaux et internationaux, le gouvernement taïwanais continue de soutenir la production agricole haïtienne car son autosuffisance alimentaire, il n'y aura pas de souveraineté réelle. Ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, agronome Vernet Joseph, bon côté pal, fait qu'on a un projet amélioration production du riz, gouvernement taïwanais a financé, montré j'effort gouvernement haïtien pour répondre à problème grand gouant dans le pays d'Haïti. Numéro un, ministère, profiter occasion pour saluer solidarité gouvernement taïwanais envers peuple haïtien, l'inviter tout secteur qui est impliqué dans le projet pour travailler dans l'idée pour permettre lui de réussir. Et c'est avec plaisir et satisfaction que je vais paraffer un nouvel accord pour l'amélioration de la production agricole dans les régions du Sud, du Nord-Est et de l'Artibonite. Il s'agit en fait d'une initiative lié à la consolidation des efforts déjà entrepris et des efforts qui ont été toujours soutenus par la coopération taïwanaise. Coopération haïtiano-taïwanaise là dans le domaine agricole vient plus passer 50 l'année selon sa ministre fait connaître. Ministère agriculteur profiter occasion
pour remettre cadeau à l'ambassadeur Chine Taiwan Wen Jiangku, qui lui-même arrivé en fait mission l'y passé environ 4 années en dans pays. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Et actualité à Konya a mené nous dans Baratibonite dans ce mac avec Junior Racine qui pral parler nous de mouvement femme. C'est là bien chaleureux avec fraternité, plusieurs organisations femmes chrétiennes dans Baratibonite là ont organisé un forum dans l'idée pour joindre un climat la paix et stabilité dans le pays, spécialement dans le département de la Tibonite là. Madame Joujouli, coordonnatrice mouvement femmes leader d'Haïti pour la paix, a réagi comme ça. Nous avons une nation faillie à mission, côté toutes les institutions de l'État ont crasé et nous-mêmes dans la commune Saint-Marc nous assiégés par des bandits, que ce soit au nord, que ce soit au sud. Et bien, je dis à nous-mêmes, en tant que femme leader, nous avons responsabilité avec toute notre mesdames leader pour nous chita réunir à peuple là. Je dis à nous sommes là pour doter Haïti de plans de paix et de stabilité pour nous sortir dans ce système inhumain ça pour nous arriver à gagner la paix, sécurité et stabilité pour la nation. Après conférence là, plusieurs participants qui sont dans différentes organisations femmes t'ont expliqué raison qui fait répondre présent dans grand rendez-vous si là. C'est un travail qui réunit plusieurs organisations et surtout l'église. Donc, il croit que l'important pour que nous participions dans aider le pays à jouer une stabilité. Donc, stabilité, ça que nous cherchons, c'est à travers le plan de paix que nous avons proposé avec le gouvernement, la nation, pour nous dire, mais qui ça que nous voulons. Nous-mêmes, mesdames, nous avons prendre un gros engagement dans chaque communauté pour nous faire ça. C'est pour nous chita avec tout chaque groupe. Nous avons chita avec Madame Zizou, qui veut rétablir un plan pour la paix. Qui je dis à nous former un forum avec plusieurs organisations pour nous-mêmes, à travers nous-mêmes, nous trouver une solution. Solution ça a bon pour changement pour Haïti. C'est une belle expérience. Et nous sommes contents que nos jeunes Haïtiens qui ont fini, nous avons un film de la déjà qui était débranché, qui va nous débattre, nous perdre l'espoir, qui en tant que femme de débranché. Mais je dis, on est tous ensemble pour prendre conscience du plan de paix, plan de réconciliation et plan de reconstruction Haïti à commencer et entre nous-mêmes, femmes chrétiennes. Ensuite, nous prenons tout le secteur qui est là. Nous corrigeons ça qu'a fait là, nous d'accord. Et nous levons quand nous-mêmes en tant que femmes d'église, leaders évangéliques, et pour nous changer ça qu'a fait là, dans la société. Atelier de travail, t'es arrivé formé pendant la journée, hein, pour être capable de joindre un résultat final. Métropole, Baratibonite Saint-Marc, Junior Racine, La Voix de l'Amérique. Merci Junior Racine et c'est avec un dernier reportage ça que nous mettons fin dans le programme. C'est ton plaisir pour nous te servir. Nous rappelons quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Et bien, actualité électorale ici aux États-Unis. Et bien, candidat deux principales partis PIA, Parti démocrate et Parti républicain, y a mené campagne sur plusieurs thèmes. Et aujourd'hui, nous avons parlé de thème immigration qui divisait deux partis. Il y a chaque rally aux gens. Donc, campagne électorale a continué. Et ici, aux États-Unis, et puis dans la région Moyen-Orient, eh ben, il y a une négociation qui continue, et qu'on y a trouvé dans Doha, dans Qatar, alors que il y a une série de négociations qui étaient faites là, dans le Caire, dans le pays Égypte, et puis nous connaissons dernièrement là, dans les magistrats New York là, la caille magistrat New York là, pour Tabou Combo, il y a une distinction, mais Tabou Combo, semaine ça, encore pral recevoir, il y a une autre distinction, donc définitivement, et Tabou Combo a recevoir en pile distinction ces derniers temps. Et puis, dans le pays et Venezuela, il y a un pile suspense pour te connaître est-ce que vraiment Outia et Edmondo, Outia, il t'a paraître dans le tribunal là, dans le paquet tribunal là, parce que c'est deuxième convocation, yo te bali, mais il n'y a pas paraître. Et pendant ce temps, il y a un président Nicolas Maduro, toujours dans Venezuela, lui-même, l'a fait remaniement. Ministériel côté Delcy Rodriguez, bel joignon l'autre poste qu'on y a. Donc, ça veut dire que toujours gagné. Il y a une situation qui est très compliquée, une crise politique qui est très compliquée dans le pays Venezuela. Donc, merci pour attention. C'est là que nous fait dans le programme. Non? Merci pour attention. Merci pour fidélité. Oh. Nous remercions les amis, nous, Franklin, qui était avec nous. Baron, qui est-ce qui est derrière? Et qui était derrière? Chang Wang,
qui c'est zanmi nous asiatique nous qui c'est zanmi nous et puis semble Jean-Marc Hervé Abela qui c'est chef pupitre là. Moi c'est Jacques Lambelizac qui a cassé rendez-vous avec nous pour demain pour l'autre rendez-vous info. Bonsoir tout le monde et à demain. Canada d'Haïti qui lui-même présenté et toi monsieur Sayo que la police arrêté toujours dans cadre première opération qui a été menée dans hôtel envahi qui trouvait dans Kafourita et pas oublié par la suite la police a mené des opérations dans quoi rentecar qui ça est rentecar pas vrai on met son machine qui collait avec et envahi hôtel et me songer et une responsable hôtel mettait avec et une avocat hôtel mettre fisé ma palvin me songer qui yo même te fait connait que selon ça te comme moi information c'est à deux moun qui habillé avec uniforme la police mais comme jusqu'à présent que yo pas gagné des éléments d'information connait est-ce que c'est la police vraiment et yo te même te dit yo cassé coffre fort yo volé caoutchouc yo volé batterie yo fait un ensemble de détails et yo te même dit vraiment que la police arrêté you et gardien et compagnie ça entreprise ça. Et voilà mes détails que nèg yo di et monsieur certain et bien connaît et bien croit que moun yo tande ça que nèg yo se dit là que nous pral faire débat sur yo pendant qu'il gal pote de l'autre information des Ivenes frem pas besoin salut non soit gagne en bas je frem. La situation dans le dossier insécurité en dedans pays a continué kembe actualité à côté divers secteurs ou acteurs pas suspendre lever voix ou commander autorité qui dans pire niveau dans l'état pour qu'en responsabilité pour attaquer problème non si yo pas ka arranger pour résoudre problème insécurité qui gen là surtout premier ministre Gary Conin c'est à pour rete kol qui a permettre au moins que pays a rale en souffrance suite avec exaction que bandi exam a fait dans quatre coins pays a dans département la Tibonite population est réactivée opération Boakale contre bandits si n'a regardé dans commune Gomon après et yon massacre que bandi Kokorat Sanras branche Tibodom dans nord-ouest pays a fait et sous plusieurs monde écrasé plusieurs caille mettait dife dans plusieurs jardin moun yo et bien gen plusieurs bandi Kokorat Sanras qui prend Boakale dans mitan et population qui pratiquement dans commune Gomon qui participe à lancer SOS pour demander autorité ville prend responsabilité par rapport avec menace qui a pesé sous tête yo la situation au moins que au cap garder sur cap sorti dans situation difficile que yo trouvé et il y a pour poursuivre surtout dans ville Gonaïve des gros mobilisation 28 d'août cap ville là et la police déjà notifié yo d'accord pour accompagner population dans quatre opérations que yo dit yo pral mener pour empêcher bandi Kokoratras continue à terroriser population et cependant il y a exigé recommandement la police il y a exigé l'état central pour bailler la police ensemble moyens nécessaires que au cap besoin pour au cap faire ensemble activité travail pour mettre sécurité dans niveau département de la Tibonite que nous connaît qui vient après département de l'Ouest qui pratiquement ganglé tellement gain bandi qui a bail problème dans département si la blessé personne et institution police nationale d'Haïti rappelé gagné 750 et aspirant qui pratiquement rentré dans l'école nationale de la police et pratiquement en pratique c'est d'autres garder pour voir si on cap mettre 34e promotion police nationale là dehors malgré situation qui très compliquée et en pile monde a demandé pour gagner vetting pour gagner et contrôle qui mettait dans mitan unité spécialisée parce que dit en pile là yo marié avec question bandi premier ministre docteur Gary Conin mettait bureau dans journée lundi OK dans journée lundi 26 d'août là dans local force l'armée d'Haïti a donc a dit dans quartier général force l'armée d'Haïti a li rivé prend décision c'est là parce que jusqu'à présent ministère de l'intérieur côté le d'adouyer parce que son que c'est lui-même qui est portefeuille ministre intérieur à collectivité territoriale eh bien li poko kal en bas eh bien li vinn plus près monsieur l'armée d'Haïti est-ce que ça pourra permettre totalement que premier ministre docteur Gary Conin gagne un travail collé un travail de proximité avec pratiquement force la médaille hein, que nous connaît qui très méprisé et autorité qui passait déjà yo, pas de jambes décider ba au moyen nécessaire pour cap opérationnel et monsieur du yo préformation yo capable blaise pour pipiti quatre bandits blessés mortellement des armes à fait arriver saisi c'est bilan opération la police s'est mené dans la commune Gressier 24 d'août passé ya. Et jusqu'à présent, la police continue à rester dans le dossier pour chercher, qu'on se fout, tout l'autre bandit qui fait partie
et team ou bien réseau criminel et team bébé bougoy qui a bail problème dans la capitale pays a respectivement dans Gressier les Uteson. Bandi Axamio qui continuait à faire population monter le ciel pardon à faire ça hôpital dans commune Cabaret et bien pendant week-end là yo kidnappé plusieurs citoyens dans commune cela et yo pratiquement relancé avec ça qui est pour avec violence qui a fait contre population depuis plusieurs années. C'est comment c'est eux même qui gagne contrôle situation et moun yo a demandé avec autorité qui n'a plus au niveau prend responsabilité pour résoudre le problème qui est là. Coordonnateur national secteur populaire haïtien, nous voulons parler de René Bonplaisir qui dénonce absence volonté communauté internationale là pour accompagner force multinationale là, lui plaider en faveur et formation avec bon genre accompagnement équipement pour la police ak, et militaire en force armée d'Haïti pour résoudre le problème insécurité là, et pour bon mariage police militaire avec agent de sapio pour résoudre le problème qui gagne en dedans pays parce qu'il fait quoi il y a possibilité pour ça résoudre et au capable résoudre problème si là blessé personne nous pour regarder nous pour discuter sur ensemble pour ça et premier ministre docteur Gary Conille dans visite li dans pays là li fait yo ensemble rencontre li discuter avec ensemble moun qui ça qui regarder et Michel Joseph Matéli qui continue dans bon courrier ouais les ont fait annoncer sanction en pile moun t'ab dit Michel Joseph Matéli pas gagne rien et pas que comme ça c'est Kounia Michel Joseph Matéli dans bon courrier blessé son parce que business pas commencé même suite Mickey pratiquement gagne gros problème pour jouer aux États-Unis d'Amérique ensemble balle que ont gagné yo obligé camper yo obligé camper et c'est l'État c'est la police c'est magistrat dans différentes têtes et population qui dans différentes têtes côté club yo côté espace privé que balsa ou t'a fait et bien ou pas qu'a fait un problème personne Michel Joseph Matéli pral pratiquement dans gros problème qui côté Michel Joseph Matéli ou jusqu'à présent le te dit qu'elle te prend avion pas que monde connaît dans quelle direction fait est-ce qu'elle est en Afrique est-ce qu'elle est en Haïti est-ce que c'est dans notre state aux États-Unis qu'il y a des personnes c'est ensemble question que tout le monde a essayé de te poser sur question si là les personnes. Et en parlant de ancien président Michel Joseph Matéli Désir Venesse que j'ai mettre nous cap garder cap tendre là parce que ensemble depuis qu'il va faire débat sur yo puisque ou tout parler de dossier Matélian eh ben nous connaît que premier ensemble de bal que alors en série de soirées bal musique pour nous conseiller bal musical nous dire comme ça vous comprenez pour nous comprendre bien ensemble de bal musical que Matéli te pour te jouer là yo. Et l'ité pour le jouer dans week-end à la veille les Bordeaux dans New York eh bien et selon autorité et dans New York, yo te écrit avec promoteur qui te pour faire bal Mickey dans night club dans New York que yo te dit piga yo accepté piga pour aucune décision pour que Matéli suite Mickey vienne jouer bal dans New York. Et yo te dit quel que soit moun qui accepté faire Matéli vienne jouer bal dans New York, eh bien autorité yo a arrêté moun sa et moun sa risque en prison. Ça te vin fait que autorité dans New York yo te prend de disposition ou que yo même en soi que yo te annulé bal ça. Mais Matéli te kon l'autre bal dans Connecticut aux États-Unis toujours. Eh bien que promoteur bal ça qui lui même c'est Mickelson Dasmi que confrère nous Luxon Saint-Ville te parlé avec dans jeudi lundi 26 d'août là, il était environ midi. Eh bien, il te dit que bal la toujours kembe ke Matéli a toujours joué dans night club ça que lui-même que il t'a annoncé night club qui est night club ça qu'il t'a fait ballon. Eh bien, on dit 2 ans après même Mickelson Dasmi ça les fait qu'on est que il a envoyé bal musical que Matéli t'a pas joué dans espace ça. Et pendant que il pas ba aucune date il va dire aucun lait que yo Matéli a joué qui donc eh bien Matéli yo décrété persona non grata dans derrière ancien président Matéli dans États-Unis même dit dans la cour New York même le dit dans États-Unis yo décrété persona non grata derrière Matéli et décision ça n'a pas rappelé avec Zemeter notre yo li vini suite avec eh bien, décision, sanction que département Trésor États-Unis te prend mardi 20 août, côté que yon sanctionné Matéli pour question trafic drogue, blanchiment l'argent et question influence l'été président nan créé sa délai financer Corée ou ensemble de questions gang armée en pays. Et c'est ça reproché ancien président Matéli. Eh bien, c'est que dans décision
OFAC, qui c'est une entité en dedans du département Trésor États-Unis, il était dit que mais yo gelé question bien matéli, il pas gain accès avec question débit carte crédit carte tout bagage ça yo et en plus mon t'a fait débat pour te dire est-ce que décision ça c'est une décision, il n'y a aucune suite pénale. Oui, jusqu'à présent, il n'y a aucune suite pénale qui comprend soit par département et d'État États-Unis ou dis-moi ce que département intérieur États-Unis. Mais on regarde, on était suivi. Est-ce que il y a des décisions pour suite pénale que nous pas connaît. Mais ça qui dit puisque dans département dans décision département Trésor États-Unis, il dit clairement que eh bien depuis c'est monde qui fait business avec Matéli, depuis c'est monde qui gagne rapport avec Matéli, mais tout monde ça yo, eh bien il y a tombé en bas sanction, mais c'est ça commencé à faire là dans États-Unis, dans en pile côté que Matéli te gagné pour la jouer balle avec suite Mickey et haïtien mobilisé, haïtien motivé dans la cour New York, eh bien dans date cap 2 septembre dans les bords Carnaval New York pour que Matéli suite l'équipe pas jouer. Est-ce que Matéli va jouer? Déjà, on capable dit pas une question balle qui va le faire avec suite Mickey et pas défiler parcours suite Mickey dans aucun côté dans aucun club dans les États-Unis. Bien que partisan Matéli le clairement dit que oh, yo pral pas une question ça, pas une question si, je dis là, il commence à montrer à clair que pas aucun dans côté que Matéli t'affiche avec suite Mickey que Matéli va jouer. Désir Venesse Marou, tu as besoin de bagarre sur ça avant qu'il entre dans le dossier de la police. Bon, et pour Michel Joseph Matéli, en plus, on a posé question, est-ce que ensemble sanction ça yo qui prend à l'encontre de Michel Joseph Matéli, est-ce que yo tout visé Sophia Saint-Rémy ou Sophia Matéli? Est-ce que yo tout visé Olivier? Parce que nous songez dans l'émission qui nous t'a gagné et bien bonheur matin qui c'est Calfou vérité. Nous te passe. Nous avons pratiquement fait mon yotande, Olivier qui t'a pas plaint, les personnes qui t'a dit que ensemble sacré abdio affecté en pile parce qu'elle présentait papa comme un 8 travailleur, mais bien que papa le devine dans la politique, à partir de ça, yo voyez yo tout comme volé. Est-ce que sanction ça yo, yo pratiquement renouvelé ensemble blessure qui t'a gagné dans ta famille? Est-ce que famille a pratiquement perdu ensemble des bien-être qui ont fait quoi que vous t'ai gagné? Et depuis les, y a pas de connaissance politique, mais est-ce que au même temps, y a pas qu'on est pratique que Michel Joseph Matéli l'a fait en dedans pays là, soit pendant le parcours présidentiel, des présidents qu'on parle, et est-ce que y a pas qu'on est, pendant que tu viens qu'on est, qui position que tu gagnes, parce que je dis à, y a parlé de Michel Joseph Matéli qui participait activement dans déstabiliser pays là, y a parlé de Michel Joseph Matéli qui distribuait armes en dedans pays là. Yo parlé de Michel Matéli qui vend drogue en dedans pays là, yo parlé de Michel Matéli qui rentre dans corruption, ça qui vient pour avec question l'argent ou bien faire de l'autre activité en dedans pays là. Même ça, t'es gagné Ronnie Célestin, t'es gagné Hervé Foucan. Net ça yo te dit que yo te servi pendant que t'es sénateur, yo servi avec Venezuela arrangé pour faire drogue rentrer pour vendre dans pays d'Haïti, servi avec République Dominicaine influence que yo te gagné. Jodi a, est-ce que ensemble sanction ça yo? Il a pratiquement apprêté dans quatre sanctions et mettez Michel Matéli dans difficulté pour le cap jouer balle qu'il gagne yo pour faire business avec ensemble actionnaire qu'il gagne dans business yo. Ça yo pour satisfaisant pour peuple haïtien. Peuple haïtien après prend des sanctions qui a satisfaisant, c'est les poursuites judiciaires comme autorité yo dans pays d'Haïti. PM Gary Conille mandé avec ministre justice et sécurité publique à loi pour yo prendre responsabilité yo, pour yo contacter autorité américaine yo, pour kap ba yo, liste ensemble moun ki sanctionne yo. C'est comme si, Gary Conille, ministre justice et sécurité publique là, alors c'est qu'il, yo pas trop connaît moun ki se sanctionne yo. Yo pas gen non yo. Yo mande pour yo fel, et dans sa ki gen pour avec transmission l'état à l'état, pour yo gen. Là, on finit recevoir liste ça. Qui ça, la justice haïtienne va l'entendre vous faire? C'est étape ça que mon yo a prétend en Haïti. C'est étape ça tout haïtien qui bloqué aux États-Unis pas qu'à entrer la caillou, il a prétend et le très important, blessé personne, nous vraiment assoiffé, yon chapitre comme ça. Nous vraiment assoiffé. OK? Yon traversé comme ça dans quatre dossiers. Côté l'État haïtien, pral saisi ensemble de biens, qui n'est que ça regarder dans pays à tout. Même j'en les États-Unis saisi un paquet, même République Dominicaine saisi pour négo. Et Haïti, qui pays concerné ya. Qui sa autorité a fait? Faut que l'autorité arrange pour yon rendre justice là. A fonctionné pendant le premier ministre. C'est toujours qu'un que la justice pas fonctionné, qui permet ces communautés internationales là, qu'a décidé. Et je dis,
ouais, même promoteur, ok, même maître club, yo, risqué pour que quand tu décides de faire balle avec Michel Joseph Matéli. Parce que c'est ça, l'État américain dit. Quel que soit le nègre, qui dit que c'est promoteur, malgré sanction qui d'accord fait balle avec Michel Joseph Matéli quand même, eh bien, il pral en bas code, il pral payer pour ça, l'explication de nègre très prudent, il aurait dit. Collaborateur nous Désir Venesse avec l'INAP gardé ensemble de points ça, pas oublier. Et il y a plusieurs points qui ont annoncé là, question sécurité, question Bois-Calé, l'opération de la police, et dossier qui est pour avec et ancien président Michel Joseph Martelly. Recevoir, Désir, recevoir. Très bien, Blaise. Désir Venesse, pendant pas de question de sécurité, parce que nous quittons de ce et ancien président Martelly. Hein? Et comment est-ce qui attire attention, comment est-ce qui vient comme information? Mon cher Mbap Bomanti. C'est quoi ce BNCA? Non, il n'y a pas de BNC, monsieur. Vous comprenez, jusqu'à présent, là, il faut accepter comme si de ce monde qui est dans tout résultat mauvais, il faut accepter ce qui n'est pas dit, il y a même tout le problème. Donc, je veux dire, là, de ce BNC, il n'y a pas même l'hérité sous lui. Qui s'est passé comme action, il a été révoqué, et Raoul Pierre, lui, qui est donc ce qui est classé, bon, moi, malgré ça, moi, le Gérald Gilles continue à faire pile tourner médiatique sur ce dossier ça, bon en tout cas. Mais CARICOM prend position, CARICOM et a cherché rejoindre ensemble trois, la cherche consulter, trois parties prenantes, d'un coup, et accord 21 décembre, la cherche rejoindre Red Aidé avec compromis historique, la cherche rejoindre avec Piscine de Saline, pour chercher qu'on est, qui sa question est pour être capable d'échanger sur lui. 27 d'août qui a venu là. Oh, en tout cas, matin 27, bon, pas de juin 27 d'août là. Eh bien, ensuite, que CARICOM, ça le gagne juin, libéral, par contre, parce que société comme si il boucle, il connaît ceux qui bannent corrompus, qui bannent mesdames coquins, et ça fait comme si, presque, pas ben, ça important, je connais ces mêmes coquins, même mesdames, yo. Et ça me d'abord dit Désir, qu'il y a un autre qui est dans la question sécurité, yo. Et, mais avant de venir avec ben, la police, non? Commissaire Muscadet, commissaire Jean-Ernest Muscadet, parce que ça, quand tu es en bas, je désire. Ensemble avec le gouvernement et Tigouavlan, les gens qui ont fait une opération, ils ont présumé que les gens seulement non Muscadet. Non Muscadet, c'est seulement le temps de Muscadet à venir, mais c'est indisposé. Ils ont attendu Muscadet à venir avec l'équipe, mais c'est indisposé. C'est indisposé, mes amis. Pour montrer que Jean Muscadet est toujours dit là. Même cadavre, je l'appelle. Même cadavre nèg yo pèl, non seulement que bandi yo tande, yo paniqué et yo choqué. En tout cas, Muscadet papa, et moun nan ni payan, diaspora haïtien, en pile côté en payan, et c'est vrai, yo pa ka di yo font travail à 100% parfait, mais en pile moun apprécie, applaudit et remet travail fait ya, commissaire Jean-Ernest Muscadet. En tout cas, de regarder ça avec nous, mais kounya an nou antre d'emblée nan bagala. Désir, vous êtes capable de garder étendu et de garder avec nous en image là. Il y a une vidéo côté que agent de CPJ et BRI et différents autres unités de la police non menaient opération et opposaient la patte sous trois individus. Un individu, ça a deux jeunes garçons à garder, monsieur qui a parlé là, à garder le bien, et un autre jeune garçon et un personnage. Jeune garçon qui a parlé là, qui n'a pas regardé là, avec Mao Bleu sous l'île. Monsieur expliquait qu'il nous t'étendait déjà. C'est bien, les amis étaient nous. C'est mieux que nous t'étendait, mais mon qui bat de chasse t'endait que dans le commencement de l'émission, que c'est, il y a mon qui a dit qu'on a rejoint nous. Mais m'a rapporté ça, monsieur dit, et pour nous comprendre. Monsieur fait qu'on est que, jeune garçon Mao Bleu, hein. Ligue tonton, que le bat tonton ou l'argent, ou que tonton a fait le parti. Et il apprend que tonton a mouru dans l'espace envahi hôtel, dans l'espace ça. Et il dit que, dès que le temps de tonton a mouru, il connaît tonton de machine, il décide à prendre machine tonton, an, pour que le vende machine tonton, an, pour le tirer l'argent là. Tout le camarade bleu sous côté. Pourquoi ça cache mis là, c'est à courir. Monsieur dit que l'être machine, non? Machine n'a qu'un samandal. Bien. Et voilà que la police
poser la passe li parce que li ke zam baga bati batata. Et l'autre jeune homme qui beaucoup avec chemisette là, c'est 1000. Là que jeune homme amao bleu, monsieur dit que li prend machine qui gen zam, machine tonton qui mouri. Qu'est-ce qu'on tonton misé désir? Casales blanc. Casales blanco, allez. Fafa. Qui c'est mettre hôtel envahi hôtel. Que la police touye et dans opération d'amener en envahi hôtel. Pourquoi c'était non fais-moi juillet pas vous désir. Mais c'était gars agence de voyage tout. Pas moi juillet avant elle là. Moi de route là. On l'entendait bien mais c'est. Mes amis t'entendaient bien et comprennent bien logique là. On est qui sauvé dans prison en 10 zones mois de mars les que bandi et 400 maozo crasé prison. Civil quoi des bouquets, n'est qu'à sauver. Et n'est qu'à c'est déjà, on est que la police a arrêté mauvaise affaire. N'est qu'à sauver. Et voilà que, ou même comme neve, n'est ça, on a pour dire moun que, oh, ou te ba misé un cob, pour misé de capable de voyager. Bon, on sait et désir. Deux mois de mars à mois d'a, ou qui est qui a une agence de voyage. Non, c'est un bon état, ou tu misé un bon état. Et qu'on y a, eh bien, comme on est gros fanfan mouri, eh bien, kounya, à travers le téléphone gros fanfan, il y a qu'à joindre qui est-ce qui était dans la question âge de voyage avec gros fanfan. Parce que on est qui s'est évadé de prison, on est qui sont quatre marqués la police, que la police a cherché. Comment faire que ou moun a mette business agence de voyage ou bien fait business avec on est comme ça? Et si kounya qu'on est next à ce mauvais affaire, comment que ou même ou pas être en service dans mes nex ça. On fait logique la claire. On fait raisonnement clair, mes amis. C'est fun de garder la claire. Eh bien, kounya, si vous connaissez tonton, eh bien, lisez vous quatre marqués. Et vous dites, vous connaissez tonton, son mauvais affaire. Et vous te dites, vous avez le pour faire un de voyage. Et, pardon, vous avez le pour faire voyager. Kounya, l'autant de tonton sauvé et tonton mouri. Et, par contre, quelques jours après, ou décider à l'espace côté tonton anté qui te machine tout bagage ou aller ou al prend machine à tout zam tonton anté gagne en espace là qu'on a ou faire connait que ou tu al prend machine là pour te capable vendre pour tirer l'argent là et qu'on a ou les amis camarades à chemisette là pour dire comme ça.